Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacqueline Bélisère. C'est un plaisir, une autre fois encore, pour nous ensemble. Nous nous trouvons dans Maryland et nous comprenons que la voix de l'Amérique, tout partout. Et parce que jeudi, nous sommes dans Maryland et vendredi, nous sommes de l'autre côté, nous sommes dans le sud et, ou bien nous sommes dans le centre et Floride. Nous sommes dans Orlando. Donc, Valérie était dans le Canada, Valérie était dans New York. Jean-Aubert est dans Maryland, il est dans Washington DC. On dit que semaine ça, Jean-Aubert pas de Maryland parce que monsieur a une autre cause que t'a réglé. Une autre fois encore pour nous ensemble. D'abord, nous voulons dans notre tout service qui est là, dans notre tout nous-mêmes tout et féliciter Jean-Aubert Philippe. Jean-Aubert Philippe qui bouclait 30 ans dans la voie de l'Amérique. 30 ans dans la voie de l'Amérique. François t'a dit il faut le faire. Donc félicitations pour Jean-Aubert Philippe qui était toujours présent et sur les ondes, devant caméra, et il commençait avec radio. Donc, monsieur Gagné, une longue carrière, je vais même parler de ça le fait en Haïti. Et pour l'entrée aux États-Unis, il fait déjà 30 ans avec la Voix de l'Amérique. Il faut le faire. Donc, bon monde qui dit Jean-Aubert, happy birthday. Bon, regarde, happy anniversary. Donc, c'est un gros fête pour Jean-Aubert Philippe qui fait des 30 ans. Adessa, donc yo ba monsieur pin m'a dit nous ça au ba monsieur encore mais monsieur recevoir un pin et li recevoir les honneurs et des collègues et des auditeurs et téléspectateurs. Donc Jean-Aubert Philippe mérite ça. Moi personnellement c'est zanmi moi, c'est cavalier Paul ka moi et donc nous faisons un long goûter. Ça veut dire que m'a fait tout 30 ans avec Jean-Aubert parce que m'pi petit que Jean-Aubert et dans tout sens. Donc ça veut dire que moi me fais toute carrière dans la voie de l'Amérique avec Jean-Aubert Philippe. Donc nous dit félicitations pour Jean-Aubert Philippe. Donc gros point cap domine actualité depuis les ont fin arrêté Joseph Félix Badio jeudi qui était 19 octobre là et arrestation ça vient dominer actualité là surtout que semaine ça monsieur Gant apparaît trois fois devant juge. Trois comparitions. On dit première comparition, pas ton vrai comparition, parce que pas vraiment que l'été parlé. Mais il y a deux comparitions qui fait devant juge Walter Wessel Voltaire. Nous connaissons l'assassinat président Jovenel Moïse. Il continue. C'est un rebondissement qui gagne dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse. On dit tout que vous étendez tout. Et sénateur, ancien sénateur Antonio Cherami, Don Cato, qui lui-même tout est répondre une question et juge là. Sans oublier tout, journaliste Louko Désir te répond, mais focus ça c'était tout. Et Joseph Félix Badio et grand pile réaction qui gagne. Félix, monsieur, mercredi, pendant le bras transféré dans le pénitentiaire national, eh bien, t'es gon tout. Eh bien, tellement y a couru, eh bien, machine a tombé dans tout. Et puis, tête monsieur frappé dans la machine. Nan. Donc, tête monsieur cassé. N'a parlé de Joseph Félix Badio. Et d'après l'autre et témoignage encore, monsieur souffre, monsieur fait diabète et monsieur a un problème médicament. Son médicament pour monsieur prend régulièrement, mais il a une précaution qu'il prend tout. Pour y a, monsieur pas de accès à médicament. Après ça, monsieur vient de gagner accès à médicament. Il dit que faut contrôler les médicaments, ce qui est normal. Il peut contrôler médicament pour ouais, est-ce que médicament son médicament que monsieur Capran, est-ce que il y a une prescription médecin pour lui? Donc c'est une façon pour protéger et détenu non seulement protéger le pour on va pas arriver mais protéger le tout pour le cas toujours être disponible pour la justice dans le cadre et causer ça. Mais grand pile réaction qui gagne notamment gagne Emmanuel Gentil. Emmanuel Gentil c'est avocat et ancienne première dame nan, Martine Moïse qui lui-même demandé pour bail Badio yon soin spécial. Mais c'est pas lui même seulement, il y a plusieurs monde qui mandé pour yon bal soin spécial. Mais monsieur explique pour qui ça, il dit parce que te gagnon l'autre détenu qui te relé Gilbert Dragon, monsieur te mouri et on dit monsieur c'est de Covid que il te mouri, monsieur gagnon réserve sous question ça, il dit il pas ta remè tout qu'on joue pour et Félix Badio lui même il a un problème pour lui ta mouri. Donc ça c'est plusieurs réactions et qui gagnent donc monsieur était en arrestation le 19 octobre et il accusé d'escultation dans cerveau assassinat président Jovenel Moïse
Donc ça veut dire que son monsieur tourné un élément très important. Ici on parle de monsieur yo gan, la justice gan pile intérêt nan monsieur parce que monsieur c'est un accusé. Yo mande tout pour un traitement humain envers lui parce que jusqu'à présent il pas condamné, yo pas ka dit que c'est assassin lié d'après spécialiste en droit yo, ils sont inculpés, ils sont accusés et yo dit que faut yo bal tout traitement que un traitement avec beaucoup d'humanité. Donc nous connaissons que le tenant DCPJ, il répond une question DCPJ et qu'on a il saute répond une question juge Walter Wesser Voltaire et il est toujours disponible pour répondre l'autre question encore et faut dit tout que monsieur pas gagne un avocat attitré, ça veut dire pas monsieur choisi, il dit juge Walter Wesser Voltaire, c'est ça trois avocats ont dit et ben trois avocats ont dit pendant il était venu dans tribunal là parce que il était gon cas et ben et juge a dit monsieur ben mon coup de main parce que pas gagne attendre monsieur en absence de avocat. Donc trois monsieur ça yo yo te paraît dans premier jour et premier jour et yo te tendé et puis dans deuxième jour monsieur yo paraît encore monsieur dit que Joseph Félix Badio pas gagne pas contesté présence donc yo même en tant qu'avocat yo là il a assisté monsieur comme avocat dans dossier ça. Et c'est eux qui baillent quelques éléments. Nous connaissons que l'instruction est secrète, qu'on calde des bagailles que le PACA dit nous. Mais monsieur dit qu'on sait seulement que, Joseph Félix Badio, monsieur coopérait en pile avec la justice. Donc, il baille la justice en pile information d'après ça qui dit. Et comme l'instruction est secrète, il dit, avocat a toujours dit que le PACA dit plus sous question ça. Donc, le dossier Joseph Félix Badio a toujours une actualité. L'autre point d'actualité, c'est. Au conseil transition qui fait sortir en correspondance côté que li dénoncer silence premier ministre Ariel Henry avec tout gouvernement et devant kidnapping Virginie Saint-Pierre c'est secrétaire général HTCA et Milord Maniga qui c'est président HTCA ensemble avec Calix Floridor. Yo fait sortir en correspondance pour dire que yo dénoncé silence et premier ministre Ariel Henry qui lui-même salué arrestation et Badio pendant que lui-même li pas dit rien sous cas Virginie Saint-Pierre là et lui-même poser question est-ce que gon bagay personnel que y a réglé là-dedans. Donc n'a pas un reportage de Yves Manuel sous question avec Jean-Robert Philippe qui va le présenter programme là. Et puis l'autre point d'actualité c'est toujours et question canal là toujours la gon délégation gouvernementale qui visite canal là, délégation gouvernementale là, et ben yo te font ti parler avec la presse, yo te réuni avec comité canal là et yo dit que et ben ça yo vle bay un accompagnement technique, yo vle bay un accompagnement financier et yo dit tout que et yo ap là, yo vle poté coller avec comité ça et yo dit tout matériel l'état qui là y a meté yo à la disposition de moun k'ap travay nan canal là. Donc mais qui genre situation est pour canal là, nous parler rapidement parce que là fait nous la guerre pour nous Jean-Aubert pour venir on l'autre petit moment gain Israël Hamas qui rivé dans 21e journée et gars nous connaît il commencer depuis samedi 7 octobre là que yoté et monsieur Hamas yoté lancé attaque et sous Israël et ben té gain moun qui mouri 1400 on parle de 1400 moun ki ta mouri, mais konya Israël continue à pilonner Gaza et yo a parlé de on incursion yon invasion terrestre qui gen pou fèt, mais yo fait deux attaques yo sorti, mais jusqu'à présent et en pile voix internationale a parlé a lancé avertissement pour dire pour gagner un couloir humanitaire qui permette que et ben gagner de l'eau, médicaments, manger ka joine moun yo dans Gaza et gen pile spécialiste qui dit que tout le monde dans Gaza, pas Hamas. Donc, il y a pile polémique qui fait. Et pendant ce moment, nous avons eu Antonio Guterres qui a fait une déclaration, l'obligé de reprendre, un représentant pays et Israël qui tape le secrétaire général là, sérieusement. Donc, en pile polémique sous lui. Non seulement tout, il y a la Turquie qui lui-même parle dans la cause. Donc, c'est pour dire que son dossier qui chaud en pile. Et puis, il y a un shooting. Un shooting ça, qui fait mercredi soir. Dans Maine, c'est son état qui est un petit gendarme à côté, qui est rural,
aux États-Unis et gagne 22 moun qui t'a mouri, gagne média qui dit plus que 18 mais gagne qui dit tout 22 moun qui t'a mouri dans occasion mais non que a cité plus comme et suspect c'est Robert Card, monsieur gagne 40 ans, monsieur c'est son réserviste dans l'armée américaine mais on dit que t'as semblé que monsieur tête là-bas fine trop OK. Monsieur a un petit problème mental, monsieur qu'en même temps on voit qui qu'on a parlé dans tête li. Mais son moment tout côté que question pour zam nan, possession zam afria, li vin tourner dans débat et président Joe Biden li mandé pour yo monter drapeau à demi man dans la Maison Blanche en mémoire moun sa qui mouri a et li mandé tout que qu'on y a encore faut yo venir avec une régulation stricte sous question possession zam nan. Gen Mike Johnson, nouveau Speaker of the House, nouveau président chambre députée, qui lui dit que faut yo entendre avec républicain pour capable joindre une entente sous question ça. Karine Jean-Pierre tout parlait de ça, donc en pile gauche à braque parler de question ça. Bon, c'est que me arrêter là parce que faut aplanir les sentiers pour Jean-Aubert Philippe qui va venir dans un petit moment pour le présenter nous rendez-vous. Merci d'être que t'es branché. N'a demandé tout le monde qui t'est branché là passer prendre quelques amis et puis changer pour nous rejoindre Jean-Aubert Philippe qui pourra le présenter nous. Dernier rendez-vous pour ce soir ici.